Salut, c'est Frangin Inc. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Ça, c'est une vidéo un petit peu spéciale. J'ai reçu beaucoup la question, est-ce que je crois en Dieu? Ma vraie réponse, c'est que je crois à un Dieu. Je crois à une puissance quelconque. Je crois pas en un Dieu en tant que tel. Je crois pas en... Je crois que Dieu existe, mais je crois pas à la description de lui. Je pense que Dieu est un signe fatal, est un signe... Ok, il y a quelque chose qui existe qui est plus grand que nous autres. Right? Mais je pense pas qu'on l'a vu, je pense pas qu'il a été sur Terre. Puis s'il était sur Terre, je parlais avec un. On va parler tantôt. Mais je pense qu'il y a un Dieu, on le connaît juste pas. On connaît juste pas. Puis le plus important là-dedans, le plus intéressant là-dedans, c'est que tu regardes la Bible, tu regardes le Coran, tu regardes la Torah, tu regardes la mythologie grecque nordique, la religion à. Je veux dire, les hiéroglyphes dans le temps, la religion des pharaons. Puis tu te rends compte que c'est tout différent. Puis ma réponse, c'est le Dieu. Je pense que c'est un mélange de tout. Je pense que toutes les religions ont eu une réponse, ont eu une version de correctitude. Puis ensemble, on a la vraie réponse. C'est un temps que j'ai beaucoup parlé avec. J'aime pas mes cheveux aujourd'hui. Avec beaucoup de Marocaines, là, ces temps-ci. J'ai fait beaucoup de vidéos, je suis un peu fatigué. C'est quoi? Je parlais avec beaucoup de Marocaines. Puis les Marocaines, je me suis loué d'amitié, je me suis loué d'amour avec ces gens-là. Des gens qui sont incroyables. Puis ils parlent beaucoup de la religion musulmane. Puis j'ai toujours eu un grand respect de la religion musulmane. Ils prient 5 fois par jour, c'est difficile, le ramadan, hyper difficile. Puis j'ai parlé avec un gars aujourd'hui. Puis le gars, c'est l'air. Puis il m'a parlé de la religion, puis il était vraiment ouvert à partager. Il était vraiment ouvert à en parler, il était vraiment ouvert à me faire apprendre. Puis j'ai pas senti que c'était poussé, c'est juste, hey. Parce que vu mon visage, j'ai dit. T'es pas québécois. J'ai dit, je sais, moi, c'est québécois, moi, c'est égyptien. Sa mère, est-ce qu'elle est musulmane ou est-ce qu'elle est chrétienne? Je lui ai dit qu'elle est chrétienne. J'ai dit, est-ce que ta mère croit ça? Ta mère, est-tu vraiment croyante? Pas de religion. Puis encore une fois, c'est un téléphone. C'était pas une grosse conversation religieuse, mais. Moi, ce que je parle avec toi, c'est qu'il y a un désir d'être plus religieux. Il y a un désir d'avoir plus de spiritualité. Un désir de croire, d'être plus croyant. Parce que je vois des gens comme les musulmanes. Qui font le ramadan, qui font 5 fois la prière par jour. Mais je dis que ça prend beaucoup de discipline. C'est quelque chose qui manque à moi. Est-ce que je te dis demain je vais devenir musulmane? Non. Est-ce que je te dis demain je vais prendre la religion? Non. Est-ce que j'aimerais ça avoir plus. Une plus grande. J'aimerais ça avoir plus de religion. J'aimerais ça avoir plus de discipline, oui. Un sentiment de spiritualité, un sentiment d'existence, un sentiment de société, un sentiment de quelque chose qui est plus grand. C'est pas j'apprendrai pas vous endoctriner. J'essaie de vous faire comprendre qu'il y a plus que juste nous autres. Puis je trouve ça beau parce que je me rends compte que je serais peut-être différent si j'aurais plus été religieux. J'aurais peut-être été différent. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui croient, puis c'est magnifique. Je trouve ça merveilleux. Fait qu'il y a un désir en dedans de moi, il y a un désir d'apprendre. Puis parce que c'est intéressant parce que c'est une opportunité pour moi de grandir comme personne. Tu sais, la chaîne totale de YouTube, c'est grandir comme personne. Mais avec la religion, je pourrais encore plus grandir. Tu sais, travailler sur moi, j'ai déjà commencé. Apprendre à devenir ma personne, j'ai déjà commencé. Mais la religion, je serais à point zéro. J'ai aussi un livre qui s'appelle 12 étapes pour la sobriété. Puis c'est le livre qui donne quand tu fais partie des alcooliques anonymes. C'est pour ça qu'on lit ça ensemble, que j'aimerais qu'on voit ça ensemble. Comme ça, on voit ça comme un effort de grandir comme personne. Puis c'est tout. Fait que, encore une fois, c'est un petit préambule, c'est un désir, c'est moi qui vous parle d'un désir. Ça va te donner quelque chose, je sais pas. Est-ce que ça, un jour, on va devenir plus religieux, plus spirituel? J'ai aucune idée. Mais il y a un espoir, puis il y a eu un désir. En fait, c'est ça. Fait que sachez que je vous aime, passez une belle soirée. Bye.